Ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est aujourd'hui le 3 août, samedi le 3 août 2024. Bon, là, désolé, là, ça fait pas bien ben longtemps que je me suis levée. Je pense qu'il était 11h moins quart. Je me suis couchée 2h du matin. J'étais très, très, très inspirée hier. C'est sûr que j'ai pris une petite pause là, à la fin du mois de juillet, là, un bon petit 5 jours, là, puis ça m'a fait vraiment du bien. Ce que je voulais vous dire, premièrement, c'est qu'aujourd'hui, la promotion, vous vous souvenez, tous les premiers 8 jours, du moins du mois à août, je vais vous mettre une promotion ou peu importe, t'sais, des cadeaux, des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est un énorme rabais, là. D'une valeur normalement de plus de 300 $, 279 si ma mémoire est bonne, et plus même parce que c'est le prix là, mais il y a des trucs qui sont quand même moins chers que d'habitude là-dedans. Là. Donc, c'est quoi? Je l'appelle le bundle Lion Gate, donc portail du lion, à cause du 8-8-8 qui s'en vient. C'est vraiment un bundle où vous avez plusieurs choses, là. Donc, c'est 111 $ le prix global, mais ça vaut bien plus que ça, là. Je vous donne une consultation, un soin avec moi pour élever vos énergies, pour aller avec le portail qui est là, suivre l'énergie du portail, tout ça, là, avec les médecins du ciel. C'est sûr que c'est personnalisé. Normalement, le 90 minutes vaut 120 $. Juste lui, là, vous économisez. Je vous donne dans le bundle 3 bains de cristal en plus que vous prenez quand vous le voulez, là, tu sais. Je suis même disponible les week-ends. C'est sûr que, tu sais, faut céduler un moment ensemble. C'est 30 minutes chacun. Normalement, c'est 20 $ pour 20 minutes. Là, moi, je fais comme un spécial depuis la pandémie, 20 $, 30 minutes. Fait, vous en avez trois. Donc, au prix régulier, là, si vous avez plus de, je dirais, 90 minutes, c'est comme plus de 4 fois 20 $. Puis ensuite, je vous fais un live le 8-18-18 à 8 h le soir. Une canalisation pour l'énergie du portail. Donc, et tout ça, vous allez avoir ça en rediffusion pour ceux et celles qui ne peuvent pas être là en direct. J'ai essayé de le faire à 8 h le soir parce que la majorité de mes clients ils sont au Québec. Puis, vous allez pouvoir être en direct après le travail. C'est un jeudi. Hein. C'est pour ça. Puis, en plus, à 8 h, ça fait encore un 8. Donc, tout ça pour la modique somme de 111 $. Je l'appelle le bundle portail Lion ou le bundle Lion Gate. Donc, si ça vous tente d'être avec moi cette journée-là pour pouvoir bénéficier de cette énergie-là, on va le faire ensemble. Ça va être incroyable. Quand je fais des canalisations, en fait, je transmets ce que je reçois. C'est comme si je faisais un soin dans le fond. Mais de groupe. Donc, puis ça va pouvoir être réécouté, réécouté, réécouté. Puis en plus, vous bénéficiez d'une heure et demie avec moi, là. C'est avec le soin individuel, là. Donc, vous pouvez le prendre après. Ça va être sûrement après, parce que, à moins que vous le preniez rapidement, là, parce que j'ai quelques places seulement cette semaine de libre, là. Donc, mais ça va sûrement aller après. Fait qu'on va pouvoir aller chercher, tu sais. Encore plus l'énergie qui est là. C'est pas obligé d'être fait tout de suite après, hein. Ça peut être un soin qu'on prend plus tard. Donc, souvent quand je fais des bundles comme ça, les gens ils vont en acheter plus qu'un. Faites attention parce que c'est limité, là. J'ai pas 90 espaces en individuel avec le monde. Ben, 90 000. Donc, c'est ça. Fait que si ça vous tente. Puis pour conclure, aujourd'hui, ce que je voulais faire, comme que je fais depuis le début du mois, là. C'est de vous parler de la journée, l'énergie de la journée. Donc, on est samedi, ça donne bien.
L'énergie du 3, en fait, pour moi, c'est beaucoup de choses. On est dans la communication, on est dans l'expression, on est dans la sensibilité. Fait qu'il se peut qu'aujourd'hui, vous sentiez peut-être quelque chose de plus au niveau émotionnel, au niveau de votre ressenti, un petit peu plus accru. Donc, c'est à faire attention, on risque d'avoir une sensibilité un peu plus grande que d'habitude. Il peut aussi avoir beaucoup d'idées, c'est pour ça que j'ai eu de la misère à me coucher hier soir, puisque vers la fin de la soirée, là, vers quoi, 11h minuit, j'ai décidé de venir dans mon bureau, puis il était déjà le 3, hein, on s'entend. Fait que là, j'ai eu de la difficulté à aller me coucher, là. Donc, c'est beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, mais c'est aussi prendre soin. Donc, il se peut comme moi, par exemple, tu sais, que je travaille à prendre soin des autres. Du coup, je prends soin de moi aussi, faites-vous-en pas, là. Je suis le flow qui est là depuis plusieurs années. Depuis que j'ai pris ma retraite, là, en fait, quand j'ai pris ma retraite à l'âge de 35 ans, j'ai été un 4-5 ans à prendre soin de moi avant tout. Aller apprendre des choses, mais prendre soin de moi avant tout. Méditer, prier, tout ça, élever mon taux vibratoire. Je continue à le faire. Mais autrement. Puis c'est sûr que quand on fait des clients comme ça, tout le temps, bon, on est dans une énergie de méditation tout le temps aussi, là. Donc, c'est ça. Fait que le 3, ça peut être prendre soin de soi, mais prendre soin des autres aussi. Donc, puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se peut qu'aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont entrepreneurs et qui ont à bien le bien-être des autres, c'est leur objectif premier comme moi, ben ça se peut que vous ayez beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration pour vous aligner dans ce sens-là. Prendre soin des autres, puis tu sais, l'impératrice, c'est pas elle qui fait l'argent, mais elle est là pour créer, donner des idées à l'empereur, qui est notre yang à l'intérieur de nous, tu sais, l'impératrice, c'est notre yin. Et puis, c'est ça. Donc, ça s'allie à ce niveau-là. Donc, on va être beaucoup dans l'énergie du yin aujourd'hui. Puis, c'est ça, je disais tantôt, ça donne bien parce qu'on est samedi. Fait que ça se peut que, tu sais, étant donné que tu es peut-être pas au travail aujourd'hui, ben, tu vas pouvoir te laisser aller vaguer dans tes inspirations, dans tes aspirations, dans tes idées que tu reçois. Pour toi, mais pour le bien du plus grand nombre également, c'est ça. C'est sûr que quand j'enseigne le tarot, l'impératrice, c'est la troisième carte, hein, fait que on n'est pas très haut consciemment. C'est notre yin intérieur. Là, je vous parle avec plus la carte du monde dans la bouche, là. Donc, parce que l'impératrice, tu sais, c'est vraiment, tu sais, tout ce qui a rapport avec, c'est très notre yin intérieur, donc notre féminin intérieur. Il n'y a pas nécessairement, tu sais, de grand talent, je vais dire au niveau spirituel là, à la base, mais je vous parle avec. Puis il faut pas oublier non plus que dans la date, il y a beaucoup le 8, comme on disait hier, puis il y a beaucoup équilibre et coopération, mais on a donc. Puis on a protection du yin avec le zéro dans 2024. Donc, ça nous amène à peut-être parler plus avec un langage universel. Mais à la base, c'est notre yin intérieur. Soit dit en passant, je voulais aussi vous amener à quelque chose que je vais comme après le 8 du 8 du 8, là, le portail du lion. Vers le 20, 20, 21, 22 à août, je vais éventuellement avoir une masterclass qui revient, puis ça va être sur le tarot. Donc, vous allez voir, là, on s'en retourne dans ce monde-là. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez le temps de prendre soin de vous, puis laissez venir les idées pour les entrepreneurs. De lumière, là. Les idées pour aider les autres aussi, là, tu sais, ça va couler de soi. Puis faites attention parce que vous risquez aujourd'hui d'être très, très, très hyper sensible. Donc, une sensibilité accrue. Fait que choisissez qu'est-ce que vous faites, écoutez ou autre, parce que, tu sais, vous risquez de vraiment sentir que
Il y a une sensibilité. En même temps, c'est bon parce qu'il y a l'empathie là-dedans. Le don de l'empathie, sans en être victime, là, hein. C'est être capable de ressentir les autres, hein, plus. Fait que oui, il y a possibilité de tout ça aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez le goût, hein, vous ne me connaissez pas, vous pouvez toujours me contacter pour une consultation, une lecture d'âme. Je vais vous indiquer tout ça avec votre date de naissance, votre carte du ciel, puis les cartes de tarot, puis surtout et avant tout, mes dons. Donc, bonne journée à tous. Amour et lumière, je vous aime.